bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur ma vidéo, la chaîne au Cambodge. Maintenant, je suis à côté de l'arc de Tonle Sap. C'est au pied de la colline, il s'appelle Phnom Krom. Et cette colline, c'est dans la province de Siem Reap et c'est pas très loin. Hein. Si vous prenez la voiture ou la moto, de Siem Reap pour venir ici, c'est environ de 20 à 30 minutes. Donc en général, les Cambodgiens, on aime bien venir ici pour faire le pique-nique et regarder le coucher de soleil. Mais donc, au pied de la montagne, il y a plein de petits restaurants que les gens qui vendent des pique-niques où on peut acheter pour faire le pique-nique en haut et s'asseoir, regarder le coucher de soleil. Bon, et on a deux options pour monter ici cette colline. Donc on a des escaliers comme cet endroit-là. Vous voyez, il y a des escaliers où on peut faire un peu du sport pour monter jusqu'en haut. Et après, on a aussi une autre option, qu'on peut prendre la moto, le vélo et aussi la voiture. Parce que maintenant, il y a quand même beaucoup de Cambodgiens qui font du sport avec le vélo. Donc, on va vous montrer après cet endroit-là. Bon, et à côté, on a la porte d'entrée, une pagode. Donc, on a deux pagodes dans cet endroit-là, un au pied de la colline et un autre, c'est sur la colline. Parce que sur la colline, on a aussi une pagode avec un petit temple. Avant d'arriver sur le sommet de cette colline, il y a quand même des endroits où les gens qui peuvent s'asseoir pour faire le pique-nique. Donc il y a des nappes comme ça et on peut s'asseoir pour manger et on voit la vue d'un petit village à côté. Et il y a plein de petites maisons sur pilotis et à côté de cet endroit-là, il y a le lac de Tonle Sap. Et ça, vous voyez, il y a la vue aussi, un petit village. Mais d'habitude, cet endroit-là, il y a plein d'eau hein, pendant la saison de pluie. Ce sont des maisons sur pilotis. Hein. Et on peut quand même prendre le bateau à côté de cet endroit là pour aller jusqu'au lac. C'est de l'autre côté, mais c'est comme c'est très loin, on voit pas. Hein. De l'autre côté, c'est le lac Tonle Sap. Bon, maintenant nous sommes arrivés sur la colline. Et quand on arrive sur la colline, on a un endroit pour garer la moto ou la voiture. Et ensuite, on peut continuer à pied, traverser un petit temple à côté. Et après le temple, il y a un endroit où on peut s'asseoir pour voir le coucher de soleil. Et vous pouvez trouver un endroit comme vous voulez. Hein. C'est un endroit qui est bien pratique pour vous. Là. Bon, maintenant on y va. Ce temple là, il s'appelle Phnom Krom. Ouais. Bon, Phnom c'est la montagne et Krom c'est le nom. Donc c'est le temple qui reste sur la colline.
Tom de Isabelle de Phnom Krom. Dans ce temple-là, ça a été construit au 10e siècle. Et juste derrière ce temple-là, il y a un endroit où on peut s'asseoir pour voir le coucher de soleil. C'est juste une partie ici, vous voyez là, avant le coucher du soleil. Quand il y a la lumière du soleil, ça brille aussi le temps. Et on peut faire les belles photos avec les reflets du soleil. Et on voit la couleur du temps, il est devenu doré.